Good morning, allez, Yiden, je suis aujourd'hui le Lingishmet Raïser Bat Myriam et Jamil Tarab Blebet Meslaton, ainsi que l'Irfouat Olivier Israël Shimon Ben Chaya Esther Hamshat Myriam Bat Roselena Binabin Ben Chibiba Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étions Maserhet Erouvin, Perig Gimel Mishnah Aleph, Bakol Me'arvin ou Mishtatfin, Chutz Minamaim ou Minamelach, Beakol Nikach Bekesef Maser. Chutz min ha-maim ou min ha-melach. Anoder min ha-mazon, mutar be-maim ou be-melach. Me'arvin le-nazir be-yayin ou l'Israël bat-ruma, somchou somer be-chulin, ve-la-kohen be-bet-apras, Rabbi Yehuda omer, afilu be-bet-akvarot, mipene she-echol le-ilech, ve-la-chutz ve-le-echol. Deux sujets dans notre Mishnah, on va commencer de manière générale à parler des Eruvei Trumin. On aura l'occasion de plus découvrir dans le Perek exactement de quoi on parle. Je vous jette l'idée générale d'abord. Shabbat, la Torah a insisté, chez vous, ishtartav. Restez chacun à sa place. À part l'interdit de porter à Shabbat et l'interdit de tous les travaux créateurs, eh bien, il y a aussi un interdit de quitter le lieu où on se trouve. Maintenant, ça, c'est vaste comme directive. Ça implique, concrètement, on va découvrir plein de détails, mais de manière générale, par exemple, si je suis en ce moment dans ma ville, à Jérusalem, eh bien, pour Shabbat, lorsque Shabbat rentre, je dois rester à Jérusalem. J'ai aussi la possibilité de sortir en dehors de Jérusalem à 2000 amas, c'est-à-dire 1 km. 1 km en dehors de Jérusalem, j'ai le droit de sortir, d'accord, 2000 amas, 1000 km, 1000 mètres. Mais pas plus, tout autour de Jérusalem, d'accord. À Paris, même chose pour Paris, il faudra dans ce cas-là, bon, il y aura tout à la route, il faudra en fait prendre la dernière maison après la fin de l'agglomération. Donc on va compter toutes les banlieues si jamais ça se suit sans arrêt. S'il y a des maisons sans arrêt, eh bien, on comptera depuis la dernière maison. Il y a des tas de halakhot, c'est très vaste comme sujet. Et maintenant, je reste maintenant sur ma petite ville de Jérusalem. Moi, j'habite au bord, je suis à Ramot, je suis à la sortie de Jérusalem. En fait, au-delà de Jérusalem, eh ben, ça y est, ça commence le désert, il n'y a plus rien, quoi. Alors maintenant, c'est pas exact, en réalité, il y a encore des petites... D'accord. Imaginez qu'on sort de Jérusalem, maintenant, il n'y a plus rien. Ben, j'ai le droit donc de sortir à Shabbat jusqu'à 2000 amas. Maintenant, j'ai la possibilité, si je veux, de faire un Eruv Troumine. D'avoir la possibilité de sortir pour 4000 amas. Comment je fais mon coup? C'est simple. Je vous ai dit que j'ai 2000 amas. Eh bien, je vais compter à 1999 amas, la dernière amas. Je vais là-bas laisser de la nourriture, un pain, allez pour le moment. Je vais laisser un pain à Shabbat, avant Shabbat. De manière à ce qu'à partir de maintenant, je vais être Kone Shvita. Je vais acquérir maintenant mon lieu de résidence du Shabbat. Il ne va pas être dans la ville, il va être là-bas. Et ça va faire que depuis là-bas, je vais avoir 2000 amas des deux côtés. Donc 2000 amas supplémentaires. En fait, je vous ai dit 4000 amas, ce n'est pas exact, c'est 3999. Et même aussi, je vais pouvoir, bien sûr, depuis là-bas, revenir dans ma ville. Et une fois que j'arrive dans ma ville, elle est considérée comme si c'était tout un seul endroit de 4 amas. D'accord? C'est une halakha particulière. Donc en fait, en réalité, j'ai réussi à gagner grâce au Eruv Troumin la possibilité de sortir 2000 amas supplémentaires en renonçant aux 2000 amas ailleurs que j'avais. D'accord? Du coup, ok, on aura l'occasion de plus détailler dans la suite du Pérec. Le problème, c'est que ça va être coupé un petit peu par Soukhot, mais c'est pas grave. Bezrat Hashem reprendra, on expliquera à chaque fois. Pour le moment, dans notre Mishnah, on va s'intéresser à savoir deux généralités. Tout d'abord, on s'intéresse essentiellement à avec quoi faire le Eruv. Plus tard, on expliquera exactement plein de conditions requises pour pouvoir faire le Eruv, à quel moment. Pour le moment, on va s'intéresser avec quoi faire le Eruv. Je t'ai dit qu'il faut mettre de la nourriture, du pain. Enfin, en réalité, on va voir que c'est même pas la peine de faire avec du pain. On peut faire avec plein d'autres choses. Et en fait, avec quasiment tout. Bakol me'arvin ou mishtatfin. Avec tout, on a la possibilité de faire le Eruv et de s'associer dans les chitufé mevot. C'est une forme de Eruv. J'expliquerai un peu plus dans les détails plus loin, mais pour le moment, on se concentre sur l'essentiel. Donc avec tout, je peux faire le Eruv. Attention, Bertrand Noël nous dit Eruv et Troumine. A exclure Eruv et Chatzerot. Chutz mina maim ou mina melach. À l'exception de l'eau et du sel. En deux mots en fait. En réalité, la base du Eruv, de manière générale, c'est la possibilité de manger deux repas du Shabbat. Lorsque je veux faire un Eruv, Chatzerot, vous rappelez l'histoire, lorsqu'on veut tous s'associer dans une même cour pour pouvoir porter dans la cour qui est en copropriété, eh bien, il faut faire un Eruv. Là-bas, il faut mettre du pain, nécessairement. Pour les Eruv Troumin, qu'on cite maintenant, de quoi on parle dans notre Mishnah,
C'est même pas la peine de mettre le pain. Ça suffit de mettre ce qui suffit pour manger avec du pain. Donc en réalité, si tu vas manger du poisson avec du pain, il va falloir mettre au moins deux belles tranches de, poisson pour au moins deux repas. Mais en fait, tu peux même manger avec du chocolat, tu prends du Nutella, avec une bonne cuillère, tu l'étales sur la quantité de deux pains. Tu peux... Donc en fait, ça suffira de mettre même un peu de chocolat. Et en réalité, donc chaque aliment, il faudra mettre la quantité requise pour deux repas. Selon ce que tu veux manger, tu veux de la mayonnaise, une cuillère de mayonnaise, tu fais deux repas avec. D'accord? Maintenant, lorsque tu veux, donc ce que la Mishnah me dit, mais à une exception de quoi? De l'eau et du sel, qui sont deux denrées qui ne sont pas considérées comme des aliments. Et du coup, la Mishnah va se mettre à me parler de toutes sortes de, domaines de halakha où l'eau et le sel ne sont pas considérés comme des aliments. C'est des choses qui abreuvent peut-être. Le sel, il n'y a pas d'apport calorifique. Mais voilà. D'accord? Maintenant, les chitoufés me votent, laissez tomber. Ça va trop alourdir le cours, il va être trop lentement. Chutz mina maim ou mina melach, donc à l'exception de l'eau et du sel. Du coup, donc, comme on a dit, puisqu'on parle de l'eau et du sel, de quoi on les exclut, la Mishnah elle prend ça sur d'autres domaines. La kol nikach bekesef maaser, chutz mina maim ou mina melach, on pourra tout acquérir avec l'argent du maaser sheni, à l'exception de l'eau et du sel, soit il y a le maaser sheni lorsqu'on a des fruits, lorsqu'on a une nouvelle récolte, il va falloir prélever un cinquantième pour le Kohen, la Trouma Gdola, après un dixième, ça va être le Maaser Rishon qu'on doit donner au Lévi. Le deuxième Maaser, il s'appelle le Maaser Sheni, selon les années, c'est des fruits qui ont une Gdusha que je dois prendre et aller manger à Yerushalayim. Si je ne peux pas aller manger à Yerushalayim ces fruits-là, je peux transférer leur Gdusha sur de l'argent, et je prends cet argent, je vais à Yerushalayim, et je mange, j'achète de la nourriture avec. Qu'est-ce que tu pourrais acheter comme nourriture? Tout, sauf Minamaim ou Minamelach, de l'eau et du sel, et tu devras les exclure, parce qu'il faut... D'accord, c'est déduit en pasouk, benatata bakesef, b'chol asher tamenam shecha, babakar ou batson, et voilà. Anoder min amazon, midem maintenant, du coup on va prendre maintenant, on va parler des l'chot nedarim, celui qui va faire un vœu de ne pas manger. Min amazon. Min amazon c'est la nourriture, mais on va expliquer plus exactement c'est quoi dans 30 secondes. Il sera moutar, bamaim ou bamelach. Il aura le droit de boire et de manger du sel s'il veut. Soit on a une personne qui a fait un vœu de ne pas manger de nourriture aujourd'hui. Bon, bah alors, qu'est-ce que ça inclut, ce vœu? Ça inclut, la Mishnah elle me dit, ben, tous les aliments, en fait, tout ce qui a des apports calorifiques, ça nourrit, à l'exception de l'eau et du sel. Tu pourras, suivre aussi, si tu veux même piquer du sel et t'en mettre un petit peu dans la bouche, tu pourras le faire, si tu veux, et boire. Mais, pas de boisson sucrée, parce que c'est déjà considéré comme quelque chose qui nourrit. En réalité, le Bartonor, il nous rapporte la Gemara qui nous dit que non. On fait en hébreu la différence entre mazon et kolazan. Il y a ce qui nourrit réellement et ce qui rassasie. On pourrait dire la nourriture substantielle qui nourrit. Et là, dans ce cas-là, hein, là, il a interdit de manger que les... Quand il dit le mot mazon, quand il dit je m'interdis le mazon, c'est que ce qui nourrit, ce qui blinde le ventre, comment dire, c'est nourriture substantielle qui cale. D'accord? Donc dans ce cas-là, on inclura que ce qui est à base des 5 Khamishat Minedagan, des 5 sortes de céréales qui nourrissent. Mais en fait, en réalité, dans la Mishnah, on ne parle pas qu'il a fait un neder min amazon, mais mikolazan. Tout ce qui nourrit, tout ce qui peut nourrir, qui peut avoir des apports calorifiques, même un petit bonbon, même n'importe quoi, ça a toujours des apports, si ce n'est l'eau et le sel. On a fini avec l'eau et le sel, et maintenant on revient. En parlant encore de sortes de choses avec quoi on peut faire le Eruv Troumin, et on découvre le premier, c'est Me'arvin le Nazir Beyaïn. On pourra même faire le Eruv pour un Nazir, on sait ce qu'est un Nazir, celui qui a fait le vœu de ne pas de se sanctifier, de ne pas boire de vin, ne pas consommer de raisin et tout ça, ben figurez-vous que lui, il pourra même lui aussi faire un rouf pour partir en dehors de la ville, jusqu'à 4000 km, jusqu'à 2 km. Parfois, on peut, grâce à ça, partir, sortir en dehors de la ville. Et je prends l'exemple de chez moi, par exemple. J'ai, quand on sort de Ramot, et ben on n'a pas loin le kever de Shmuel HaNavi. Je ne sais pas ce que dans le kever de Shmuel HaNavi. Est-ce qu'il est déjà dans le troum de Shabbat ou il est déjà en dehors du troum de Shabbat? Imaginez qu'il est en dehors du troum de Shabbat. On a plus de 2000 amas qui nous sépare de lui. Alors si je veux partir maintenant à Kever Shmuel HaNavi pendant Shabbat, il faut qu'avant Shabbat j'aille mettre le Hérouv là-bas. Maintenant, je pourrais, si je suis Nazir, eh ben, je pourrais malgré tout prendre du vin et mettre là-bas du vin, en disant que c'est ce que je vais consommer demain pour saucer mon pain. Et donc on pourra le faire avec du vin. Comment c'est possible? Si je suis Nazir, je ne pourrais pas le boire ou prendre ce vin. Premièrement, première réponse, et alors, c'est quand même de la nourriture. C'est de la nourriture pour quelqu'un d'autre. C'est la première raison, et j'expliquerai ensuite une deuxième raison qu'on découvrira sous le pouce. Et justement, puisque je peux faire le hérouf, même avec une nourriture qui n'est pas apte pour moi,
moi qui suis nazir, je ne peux pas boire du vin, mais puisque c'est apte pour quelqu'un d'autre, ça suffit que ça s'appelle de la nourriture pour définir que maintenant ça y est, c'est bon, j'ai réussi à faire le Hérouv Troumine avec ça. Et de même aussi, où les Israël Bitrouma, si moi je suis Israël, je ne suis pas Cohen, je pourrais prendre de la Trouma et je mets de la Trouma. Comment c'est possible? Moi, je n'ai pas le droit de la manger, c'est vrai, mais mon voisin Cohen, il a le droit de la manger, donc ça s'appelle de la nourriture, donc ça suffit pour pouvoir faire le Hérouv. Sur ça, on a Somchrous qui vient et qui discute, qui n'est pas d'accord. Somchrous Omer Bachoulin, Somchrous Omer dit non, qu'avec du Choulin, qu'avec de la nourriture profane, sans Gdoucha, mais je ne pourrais pas, moi, faire Somchrous requiert d'avoir une nourriture qui est apte à celui qui veut faire le Hérouv. Il faut que je puisse théoriquement la manger. Si vous faites attention maintenant, on a Somchrous qui discute sur l'histoire de la Trouma, mais Somchrous ne discute pas sur l'histoire du vin. Somchrous est d'accord qu'on peut faire un Hérouv à un nazir avec du vin, puisqu'il ne discute pas. D'où la question, comment c'est possible, le nazir n'a pas le droit de la boire, et la réponse elle est qu'il a le droit de faire Atarat Nedarim. Le nazir il pourra partir voir le Chacham pendant Shabbat et lui demander d'annuler son vœu. Ok? Vela Kohen Bebet Apras. Encore une Valacha, c'est un Kohen, il pourra même faire poser son Hérouv, là c'est un plus grand Chidouche, il pourra poser son Hérouv dans un Bet Apras. Bet Apras, c'est un endroit où il y a un doute sur la pureté de l'endroit. C'est-à-dire, un Kohen, il n'a pas le droit d'entrer dans un cimetière. D'accord? Parce qu'il n'a pas le droit de s'impurifier. Maintenant, la Mishnah vient et m'enseigne. Et à part ça, ce qu'on appelle un Bet Apras, c'est. Il y a plusieurs possibilités. C'est un endroit où il est possible qu'il y ait des eaux de mort qui se sont trouvées. Par exemple, on a labouré un champ. Ça déchaîne Rachba qui avait. On savait qu'il y avait un mort initialement. On n'a pas fait attention, puis on s'est mis à labourer le champ. Du coup, on a perdu le mort, on l'a éclaté en petits bouts d'os qui traînent partout. C'est devenu un Bet Apras. D'accord? Ça déchaîne Vad Bakever, chez Nechash Bakever, plusieurs formules dans la Sechet Oalot. Et maintenant, il s'avère que maintenant, un Kohen n'a plus le droit de rentrer dedans de peur qu'il va toucher un os. Mais cet interdit, il est que Midera Banane. Parce qu'en réalité, un os, certes, ça impurifie si on touche, mais ça n'impurifie pas B-O-L si on passe dessus. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails de Oalot. Succinctement, retenez juste que c'est un interdit des Rabanane, et que pour toutes sortes de mitzvah des Rabanane, on permet au Kohen de rentrer dans le Betapras, en l'occurrence mettre un Hérouv, si vous avez la banane, t'as le droit de le mettre, ça signifie qu'en théorie, si tu as besoin pour une mitzvah, concrètement, je voulais le préciser, on met un Hérouv que parce qu'on a besoin de partir faire une mitzvah. D'accord? Je vais l'expliquer après un peu mieux pour comprendre la suite. Mais, donc on a le Kohen, il aura le droit d'entrer, il a le droit en théorie d'entrer au Betapras. Je précise, le Kohen ensuite, il n'a pas besoin, on pose le Hérouv, précision super importante. J'ai le droit, certes, de mettre le Hérouv, je dois mettre le Hérouv pour partir, je reprends sur mon histoire de Ramot, pour partir à Shulchan Navi, en supposant que le Kever, il est plus loin. J'ai le droit, il faut que je mette mon Hérouv pour pouvoir partir ensuite le lendemain à Shabbat, partir me promener là-bas. Comme j'ai dit, c'est que pour un besoin de mitzvah, j'ai besoin de partir là-bas parce que j'ai besoin de compléter un minyan là-bas, pour une mitzvah. Maintenant, je vais pas besoin de manger ensuite le Hérouv, bien évidemment. Il suffit qu'en fait, au moment de l'entrée du Shabbat, que mon Hérouv, il soit posé là-bas, pour que ça y est, ça me permet maintenant, pendant tout Shabbat, de partir jusqu'au Kever Shmona Navi. Après, je m'en moque du Hérouv, est-ce qu'il reste ou il reste pas. J'en ai pas besoin, il n'est pas question de partir manger en pleine rue, en fait. Il suffit que ce soit posé là-bas. Par le fait, le principe, retenez l'idée, le fait qu'il soit posé là-bas, exprime que j'habite là-bas. À l'entrée de Shabbat, j'habite là-bas. Puisque j'habite là-bas à l'entrée de Shabbat, alors maintenant, c'est devenu ma Shvita, elle est là-bas. D'accord? Donc j'ai été conné la Shvita là-bas. Je me suis installé là-bas grâce à mon petit geste symbolique d'avoir mis deux cuillères ou une cuillère de mayonnaise. D'accord? Je l'ai posé là-bas. Non, j'ai pas besoin de manger pendant Shabbat. Ok? Du coup, le Kohen, puisque pour pouvoir faire son Hérouv, il a le seul endroit où il avait pour pouvoir partir en ligne droite chez Shmona Navi, pour pouvoir tirer au maximum sur le Troum, il a fallu le mettre dans un endroit où il y avait un doute, est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas un endroit impur. Il a le droit de le mettre. Parce que c'est un tzorech mitzvah, puisque ensuite il va devoir partir là-bas, il aura le droit en théorie de partir. Après, il n'a pas besoin de passer par là-bas pendant Shabbat, bien évidemment. Rabbi Yehuda Omer Afilu Bebet Akvarot. Rabbi Yehuda vient de dire, attention, là je vais t'apprendre quelque chose de beaucoup plus fort. Même s'il y a réellement sur la route, il y a un vrai cimetière, le Kohen, il a le droit de mettre son Hérouv dans le cimetière. Hein? Comment un Kohen il va pouvoir rentrer dans un cimetière pour manger? Il n'a aucun accès. Ouais. Sur ça, le Rabbi Yehuda se justifie en disant « Mipene sheyachol lelech velachotz » Attention, pas « lachotz »« Lelech lachotz velechol » Parce qu'il peut partir « lachotz » c'est faire une « chatitza » faire mettre une barrière et le manger. Soit, il nous dit Rabbi Yehuda, c'est la grande halakha de Oel Zarouk, je ne sais pas si vous avez entendu le sujet, un Oel, la possibilité de passer au-dessus d'un cimetière pour un Kohen, si un Kohen veut passer au-dessus d'un cimetière sans devenir impur, il a une solution,
selon, c'est discuté dans la Gemara, mais je crois que l'Alakha l'a retenu que ça marche, c'est d'être dans un Ohel Zarouk. Avoir quelque chose qui va l'envelopper comme un Ohel, et donc maintenant il a une Khatitsa, il est plus, le problème du Ohel Amet, c'est d'entrer dans le, comment dire, sous la tente d'un mort, dans le même lieu où se trouve un mort. Mais toi, si tu lui mets une barrière, et toi tu es à l'étage du dessus, je peux être à l'étage du dessus du mort. Je suis plus dans son Ohel, je suis plus dans son endroit. Ok? Selon ce principe, maintenant, donc le Kohen, il a la possibilité concrète de pouvoir partir au Batek Barot, et d'entrer, et même s'il veut le prendre, il peut le prendre, comme on l'explique, il peut le prendre avec un bâton, il le fait sauter, il le fait rentrer chez lui, donc du coup, il a enterré la possibilité concrète de manger la nourriture, on parle de cette nourriture qu'il va pas recevoir d'impureté, c'est toute une histoire, pour expliquer pourquoi le Kohen, il peut la manger. Maintenant, notion importante, Chachamim discute sur Rabbi Yehuda, c'est le bâtonnant qui explique à longuement, il discute sur Rabbi Yehuda parce qu'en fait, en réalité, il y a une halakha qu'on n'a pas le droit de tirer profit d'un Batek Barot. On n'a pas le droit de profiter d'un Batek Barot, et c'est fréquent quand on se retrouve au cimetière pour pouvoir partir pour X ou Y, occasion de Yorsait ou veille de fête ou truc, veille de Rosh Hashanah. En tout cas, on n'a pas le droit de tirer profit d'un kever. Et des fois, on regarde des gens qui posent des choses dessus, ils posent un sac. On n'a pas le droit de tirer profit d'un kever. On n'a pas le droit de profiter d'un kever. D'accord? On n'a pas le droit d'en tirer profit. De ce fait, Ramim et te disent, tu n'as pas le droit de mettre ton sandwich ou ta cuillère de mayonnaise sur un kever, tu n'as pas le droit de tirer profit du kever. Rabbi Yehuda vient et te dit, ouais, mais le tzorech mitzvah, c'est permis. Donc pour pouvoir faire le hérouv, c'est permis, puisque l'entrée de Shabbat, c'est juste pour faire le hérouv. Et après, je m'en moque, est-ce que ma cuillère de mayonnaise, elle va rester là-bas ou pas, selon Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda te dit, ouais, mais malgré tout, quand tu mets un hérouv, tu as quand même envie qu'il reste un peu plus longtemps. Et du coup, donc tu vas quand même tirer profit du hérouv, alors que c'est plus tellement la mitzvah cette fois-ci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Slacha Kol Tov. C'est là.